1910, à Louisville, dans l'état du Kentucky, aux États-Unis, fut construit le sanatorium de Waverly Hills. À ses débuts, l'hôpital était destiné à soigner des malades atteints de la tuberculose. En effet, dans les années 1900, la région du comté de Jefferson fut ravagée par cette maladie, aussi surnommée la peste blanche. À cette même époque, la médecine affirmait que cette maladie pouvait se soigner avec beaucoup d'air frais et une bonne hygiène de vie. Bien évidemment, tout ceci n'était que théorie. En 1924, le petit établissement fut rapidement agrandi pour recevoir de plus en plus de patients. Par la suite, de nombreuses rumeurs commencèrent à circuler au sujet des mauvais traitements infligés aux patients. Une fois internés, ceux-ci n'avaient pas la possibilité d'en sortir pour cause de quarantaine. On estime qu'environ 63 000 personnes y sont mortes après avoir été victimes d'expériences supposées être médicales. En effet, les chirurgiens pratiquaient toutes sortes d'opérations telles que la lobectomie ou la thoracoplastie qui consistait à scier les côtes pour que les poumons se dilatent, mais également bien d'autres actes tout aussi barbares. D'après les archives de l'établissement, on estimait que seulement 5% des patients survivaient à ces traitements. Puis, de nombreux enfants passaient des journées entières sur les toits de l'hôpital pour prendre des bains de soleil. Les médecins pensaient que les rayons ultraviolets du soleil pouvaient guérir cette maladie. Cependant, et à cause de tous ces décès, l'hôpital fut construire un tunnel souterrain que les habitants de la région ont surnommé le tunnel de la mort. Ce tunnel, long de plus de 150 mètres construit sous l'hôpital, était réservé à transporter les morts de la manière la plus discrète possible pour ne pas effrayer les résidents. Toutefois, l'établissement fermera ses portes en 1961 pour les ouvrir à nouveau en 1962 comme centre gériatrique de Woodhaven. Avant sa fermeture définitive en 1982, l'hôpital contenait plus de 400 salles avec un équipement des plus modernes. C'est à cette même année que toutes sortes de phénomènes étranges ont été racontés par tous ceux ayant visité le sanatorium. On peut alors y apercevoir des ombres, des lumières volantes et y entendre des chuchotements. Voici quelques témoignages du sanatorium qui a pour réputation d'être le plus hanté du monde. Certains témoins affirment qu'encore de nos jours, tôt le matin, en se promenant près de l'ancienne cafétéria de l'établissement, on peut sentir le faible arôme des petits déjeuners et ce, malgré que cette même cafétéria soit fermée depuis 1982. On peut également apercevoir le fantôme d'un homme habillé de blanc errer dans la cuisine. Personne ne sait vraiment de qui il s'agit, mais certains pensent qu'il serait le fantôme d'un vieil employé du sanatorium ayant contracté la tuberculose et en serait mort. Des ombres furent aperçues par de nombreux visiteurs. L'ombre d'un homme a été vue et même photographiée dans la cour avant du bâtiment. Le fantôme d'une vieille femme fut souvent aperçu dans l'entrée principale. Elle aurait les mains et les jambes enchaînées, ses poignets et ses chevilles seraient recouverts de sang. Elle l'attendrait tout en pleurant que l'on vienne l'aider, puis elle disparaîtrait inexplicablement. Beaucoup de visiteurs ont pu apercevoir une petite fille au troisième étage et qui aurait pour prénom Mary. On raconte que celle-ci jouerait avec une balle. On peut également entendre la balle rebondir sur le plancher ou dégringoler de l'escalier. Sur le toit de l'hôpital, certains visiteurs auraient entendu des voix d'enfants en train de chanter et de s'amuser. Lorsque l'hôpital était en service, les enfants ayant contracté la tuberculose étaient le plus souvent placés sur le toit pour un traitement dit d'héliothérapie, ce qui consistait à les exposer de façon curative aux rayons ultraviolets du soleil. Le quatrième étage est considéré comme étant le secteur le plus effrayant et le plus actif de l'hôpital. De nombreuses personnes y ont vu des ombres, des apparitions de fantômes marchant dans les corridors et entendent des portes claquer fréquemment. Un agent de la sécurité aurait vu une tête flotter dans une des salles tard la nuit. L'homme, terrifié, s'enfuit et n'est plus jamais revenu au sanatorium. Beaucoup de personnes ont également rapporté avoir vu des lumières dans le bâtiment la nuit, bien qu'il n'y ait plus d'électricité depuis plusieurs années. Cependant, l'un des endroits hantés le plus horrifiant de cet établissement est sans doute le tunnel de la mort ou The Death Tunnel. On prétend qu'au plus fort de l'épidémie, un corps était évacué chaque heure par ce moyen. Bien que les spécialistes estiment que la réalité se situerait plutôt autour d'un corps tous les deux jours. On peut y entendre des voix se lamenter. Par la suite, un film sera adapté au cinéma sur cet effrayant et angoissant tunnel.
Le mythe le plus célèbre concernant le sanatorium de Waverly Hills est sans nul doute celui de la chambre 502. En 1928, on prétend qu'une infirmière en chef aurait été retrouvée morte. La jeune femme, alors âgée de 29 ans et célibataire, aurait été enceinte du directeur de l'hôpital, mais qui, celui-ci, l'aurait repoussée par la suite. L'infirmière se serait alors suicidée par désespoir. Puis, en 1932, une autre infirmière qui travaillait également dans la chambre 502 se serait suicidée en sautant par la fenêtre. Personne n'a pu expliquer les vraies raisons de ces mystérieux cas de suicide. En entrant dans cette pièce, de nombreux visiteurs affirment ressentir une étrange présence de la malheureuse défunte et tous sont pris d'un inexplicable et soudain malaise. En 2001, un couple racheta le sanatorium qui se trouvait alors totalement abandonné et vandalisé. Il fallut 4 années pour restaurer complètement les lieux. De nos jours, les propriétaires organisent différentes visites de l'établissement de jour comme de nuit pour les enquêteurs du paranormal et autres chasseurs de fantômes, mais aussi pour toutes les personnes qui en font la demande. À terme, le couple envisage d'en faire un hôtel et un centre de conférences. Vous l'aurez compris, le sanatorium de Waverly Hills est devenu un lieu où règnent malheureusement plus de touristes que d'entités. Au sud de l'Angleterre, dans le Kent, un petit village du nom de Pleckley serait pour beaucoup de Britanniques le village le plus hanté du Royaume-Uni. On compterait plus de 12 lieux qui hanteraient Pleckley. De plus, ces phénomènes inexpliqués seraient tellement courants dans ce petit village qu'en 1989, Pleckley sera inscrit dans le livre des records comme étant le village le plus hanté d'Angleterre. Ce n'est qu'à partir de 1955 que les tout premiers phénomènes paranormaux furent mentionnés dans le livre d'un certain Frederick Saunders. D'après ce manuscrit, le peuple du village, ainsi que son école, son épicerie, son église, son cimetière, son bureau de poste et bien d'autres endroits encore, seraient tentés par plusieurs fantômes. Visitons ensemble ce petit village pour le moins mystérieux. Dans un bar du village nommé Black Horse, de nombreux témoins ainsi que les employés de l'établissement affirment avoir vu des objets se déplacer tout seuls. Certains auraient même vu plusieurs fois l'apparition du fantôme d'un homme et d'une fillette se déplacer dans l'établissement. Une importante forêt entoure le petit village de Pleckley et de nombreux témoignages affirment qu'une fois la nuit tombée, on peut y entendre le terrifiant hurlement inhumain. Pour tous ceux qui oseraient se promener dans cette forêt, on pourrait également apercevoir le fantôme d'un ancien colonel de Parkwood en train de marcher tout en fumant sa pipe. Dans le petit cimetière de l'église Saint-Nicolas du village, ses habitants expliquent qu'il serait hanté par une mystérieuse dame rouge du nom de Lady Daring. D'après la légende, la dame rouge serait à la recherche de son bébé et lorsque la nuit tombe, on peut y entendre des bruits de pas et apercevoir d'étranges lumières flotter. Dans le village existe un lieu que les habitants décidèrent de nommer le coin de l'effroi. Ce lieu serait hanté par le fantôme d'une vieille femme qui serait morte brûlée vive après s'être endormie sous l'emprise de l'alcool tout en fumant une pipe. Selon les villageois, son fantôme serait le plus effrayant à cause de son visage partiellement carbonisé. La maison des Greenstones serait le lieu de résidence du fantôme d'un moine qui fut assassiné pour avoir eu une liaison avec la dame de Rosecourt. Aux environs de la maison, on peut y entendre les murmures de la dame qui s'est suicidée par amour. Dans la rue principale du village, de nombreux témoins racontent avoir aperçu un carrosse fantôme tiré par des chevaux. Aux alentours des moulins et fermes du village, on pourrait apercevoir la silhouette d'un spectre noir se manifestant généralement avant un orage. Puis, le village connut un tout autre phénomène qui reste encore à ce jour inexpliqué. En effet, depuis quelques années, des nuées de mouches envahissent les habitations, les rues ainsi que la plupart des véhicules. Nul ne connaît l'origine de ces nuées et cet étrange phénomène demeure encore à ce jour un mystère non résolu. De nos jours, il est tout à fait possible de visiter ce petit village dont tous les Britanniques se méfient. Chasseurs de fantômes, ce lieu est fait pour vous. La grotte de la sorcière de Bell, située aux États-Unis, plus précisément dans la commune d'Adams dans le Tennessee, est considérée comme l'un des lieux les plus hantés d'Amérique. Son histoire aurait commencé à partir du 19e siècle
et serait étroitement lié à une famille du nom de Bell. En 1817, John Bell et sa petite famille emménagèrent dans leur nouvelle demeure et pendant plus de 2 ans, la famille vivra un véritable enfer. D'après diverses archives, on raconte que chaque nuit, dans les chambres de la maison, une créature invisible et insaisissable rongeait les pieds de lit, arrachait les couvertures et jetait les oreillers sur le sol. On raconte également que l'épouse de John Bell était régulièrement griffée jusqu'au sang sur plusieurs parties de son corps par une force inconnue. Certains soirs, des bruits étranges se faisaient entendre. Une présence invisible frappait violemment les murs de la maison. Les rumeurs de la malédiction des Bell se propagèrent rapidement dans toute l'Amérique et attira l'attention d'un certain général Andrew Jackson qui se rendit sur les lieux avec ses troupes en 1819. Sur le campement, certains militaires furent tous pris de convulsions et hurlèrent de douleur avant d'être projetés violemment dans les airs. Les militaires, terrifiés par ces événements, quittèrent définitivement les lieux. Par la suite, John Bell fit appel à des médiums pour tenter de démasquer l'identité de cet esprit. Plusieurs d'entre eux lui expliquera qu'il s'agirait de l'âme errante de Kate Bath. De son vivant, la femme déclarait avoir été dépossédée par John Bell et sur son lit de mort, elle avait juré de se venger contre lui et toute sa famille. John Bell mourut en 1820 dans d'étranges circonstances. La famille trouva un flacon rempli d'un mystérieux liquide près du lit de mort de celui-ci et personne n'a jamais découvert ce qu'il contenait ni ne connaissait sa provenance. De nos jours, la véritable identité de la sorcière des Bells reste un grand mystère. Cependant, la majorité de la population locale reste persuadée que l'esprit de Kate cherchait à se venger. Elle continuerait de hanter la grotte située à proximité de l'ancienne ferme de la famille Bell. Toujours de nos jours, une reconstruction de la chambre des Bell est ouverte au grand public, ainsi que la mystérieuse grotte. Des visites aux chandelles dans la grotte sont organisées pour faire vivre des sensations fortes aux visiteurs. Le site est connu sous le nom de Bell Witch Cave et figure au registre national des monuments historiques américains depuis 2008. Cette histoire inspirera même le cinéma et en 2006 sortit le film An American Hunting ou Cauchemar américain.